Merci beaucoup. Et après cette gavotte traditionnelle, puisqu'elle a été composée il y a un an ou deux, voici un air qui s'appelle Kozerzou, parce que c'est dans ce petit village-là qu'il a été écrit. Et cet air a également donné son nom à un des précédents albums de Blaziru.